rentrer dans un bar. Et j'ai des amis qui m'ont dit, tiens, demain matin, il y a une audition pour une comédie musicale. C'était genre à 10h le matin. Moi, je suis pas du tout du matin, quoi. Donc, je dis, bon, ouais, bon. Puis, j'y suis allé. Puis, à 10h du matin, j'ai fait quelques vocalises devant cette prof de chant qui m'a dit, bah, écoutez, revenez dans quelques jours ou alors je vous rappelle. Bon, et puis, elle m'a pas rappelé. Puis, un mardi soir, j'étais couché dans mon pieu. Et puis, il y a quelqu'un qui m'appelle, qui me dit, mais Tom, qu'est-ce que tu fais? Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Mais il dit, viens, il y a Presburvic, Louvain, Moine, toute l'équipe qui sont au Lewis Café, qui était un endroit où je travaillais quelques années auparavant. Dépêche-toi de venir, ils sont en train de faire les auditions. Alors, à 1h du matin, j'ai sauté dans un jean. Et puis, bah, je suis allé chanter quelques chansons. Gérard Presburvic m'a demandé de revenir chez Glem encore un matin à 11h. Là, tu rentres dans le bureau, t'as 6 bonhommes qui te regardent. Bonjour, bonjour, allez-y, chantez. Ouh! Donc j'envoyais Le Temps des cathédrales, parce que c'était la chanson qui marchait bien à l'époque. Et puis Puisque tu pars, qui est une chanson qui commence assez loup de Jean-Jacques Goldman. Et puis bah, Gérard m'a dit, bah, écoute, on va faire quelques essais. Et puis j'ai chanté la première fois la chanson J'ai peur, que Damien chante, qui était à la base pour Mercutio. Et puis finalement, donc, elle a été rétrocédée à Damien. Voilà.